Bonjour les cousettes, bienvenue dans l'atelier pour ce nouveau tuto vidéo en pas à pas pour réaliser ensemble un sac un petit peu original que j'ai imaginé en sortant d'un atelier sur la Scan & Cut. C'est une machine, si vous ne connaissez pas, qui permet de découper beaucoup de choses dont les matières épaisses et je n'avais jamais essayé. Du coup je me suis dit pourquoi s'en priver et pourquoi ne pas s'en servir pour couper des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire pour faire un modèle un peu original que vous pouvez voir derrière moi. Donc ce tuto vidéo est en total pas à pas. Je vais vous guider dans toutes les étapes pour coudre, donc pour découper vos pièces et coudre votre sac. Donc rassurez-vous, si vous n'avez pas la machine de découpe, pas de panique, vous pourrez quand même réaliser cet ouvrage. Vous allez pouvoir récupérer le patron en taille réelle. C'est juste qu'il vous faudra un petit peu plus de précision et d'huile de coude pour arriver au même résultat. Donc je vous montre l'ouvrage que je vous propose de confectionner ensemble. Il s'agit d'un sac avec toute une partie ajourée sur l'avant, mais également sur l'arrière. Et il laisse apercevoir le tissu qui est à l'intérieur, qui est, comme vous l'aurez remarqué, du wax. J'ai vraiment craqué sur celui-ci, qui est très lumineux, et qui est en fait un jacquard, donc un peu plus épais qu'un coton classique, qui va aider le sac à se tenir en plus du 6 mm. Et je trouvais que c'était sympa de pouvoir le découvrir au travers, ça apporte une petite touche un peu originale. Voilà. Donc, sur mon sac, j'ai choisi d'ajouter en bas une bande de jacquard pour le souligner. Vous voyez bien qu'il a un fond de sac et les anses sont posées avec des rivets. Donc, je vais vous guider en pas à pas pour réaliser tout ce sac, à travers toutes les étapes. Et également, je voulais vous montrer, j'ai choisi un tissu jacquard parce qu'il a la particularité d'être double face. Et donc c'est le même tissu qu'on voit à l'extérieur et qui me forme la doublure de mon sac. J'en ai pas rajouté un autre. Donc c'est un tissu, l'envers est jaune. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Voilà, donc j'espère que cet ouvrage va vous plaire. Je me suis dit que ça pouvait être un sac un petit peu chic là, à tenir à la main ou à porter sur le bras là pendant l'été. Je l'imagine bien en bord de plage en train de siroter un petit cocktail si vous y allez. Ou alors faire les courses de manière un peu classe. Voilà, donc j'espère qu'il va vous plaire et je vais vous présenter tout de suite les tissus que j'ai utilisés. Et puis après, je vous propose ensemble de voir, faire un petit point détail sur le matériel, voir si vous avez tout ce qu'il faut, réajuster s'il vous manque quelque chose éventuellement. Et puis ensuite, on va se lancer dans le tuto. Voilà, donc la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de votre écran. Là, ce lien va vous renvoyer vers le blog et vous aurez accès à la liste des fournitures et du matériel, les quantités et également au fichier de découpe qu'il faudra insérer ensuite dans votre Scan & Cut à l'aide d'une clé USB ou en mode Wi-Fi si vous possédez ce mode-là. Et si vous ne possédez pas de Scan & Cut, il y a le patron en taille réelle que vous pouvez récupérer, imprimer, reconstituer et vous en servir pour découper vos différentes pièces. Alors bien sûr, ce sac, il est fait tel quel, hein, mais il est aussi fait pour être décliné au gré de vos envies en fonction de ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à laisser aller votre imagination. Je vous fais juste un petit point tissu parce que c'est vrai qu'on aime bien les voir en vrai, tout ça, pour se rendre compte. Donc déjà, le premier tissu qui compose mon sac, c'est un jacquard fait un peu wax que j'ai trouvé chez Made in Tissu et je l'aimais beaucoup parce que je le trouve très lumineux et que c'était sympa pour l'été. Donc ça, c'est l'endroit qu'on voit, hein, que vous apercevez là à l'intérieur, enfin sur l'extérieur du sac. Mais le côté envers était aussi intéressant, voilà, il est jaune, aussi lumineux, je ne sais pas si vous voyez bien avec le reflet, et du coup il me permettait de faire une doublure dans le même tissu sans avoir à redécouper des pièces, et je trouvais que c'était un peu original quand même dans l'idée. Voilà, ensuite je l'ai assorti avec un 6 mm que j'avais en stock, qui me restait dans l'atelier, donc autant utiliser les chutes. Il est un petit peu épais et brillant. Alors moi j'ai choisi ce tissu parce que déjà, l'intérêt du 6 mm, c'est qu'il ne file pas. Donc là, dans mes découpes, j'ai quelque chose de net. J'ai choisi un 6 mm épais pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la découpe avec la Scan & Cut, parce qu'effectivement, on dit qu'elle le découpe, mais c'est toujours mieux de voir en vrai. Et voilà, donc vous, l'important, c'est surtout votre machine à coudre. C'est-à-dire qu'il faut penser que vous allez devoir coudre l'intégralité de vos pièces à la machine, avec un tour de sac un petit peu arrondi. Donc si votre machine a du mal sur les épaisseurs, je vous conseille de choisir un 6 mm un petit peu moins épais pour vous aider. Pour assortir avec ce 6 mm, j'ai choisi une anse toute faite en 6 mm cuir pour gagner du temps.
vous allez retrouver, vous inquiétez pas les quantités hein, sur le lien là que vous avez cliqué, c'est pas la peine de noter. Et puis j'ai utilisé aussi un biais, voilà, pour bien finir le haut de mon sac en haut, que ça fasse plus net. Donc j'ai choisi noir pour pas qu'il se voit trop, qu'il tranche pas trop. Bien sûr, vous pouvez vous amuser à varier les coloris. Et puis vous allez voir en découvrant cette vidéo que j'ai aussi utilisé du biais pour une autre finition qu'on ne voit pas là tout de suite sur le sac, mais il est bien présent ailleurs. Mais là, je vous laisse découvrir la suite. Ce que je vous propose, si vous voulez vous lancer dans la couture, c'est de vous faire un petit point sur le matériel. Qu'est-ce que j'ai utilisé? Comment vous équiper? Est-ce que vous avez des choses à la maison qui peuvent convenir aussi? On n'est pas obligé de racheter, on peut se servir de ce qu'on a aussi. Donc on fait ça maintenant et ensuite c'est parti pour le tuto. Je vous propose maintenant un petit point matériel. On va voir par étapes ce que vous allez avoir besoin pour vous permettre de prévoir. Donc déjà au niveau des découpes, si vous avez la machine à deux découpes Scan & Cut, vous allez bien sûr en avoir besoin et son support de découpe standard. Donc moi dans cette vidéo, je vais vous montrer la dernière version de la machine qui est la SDX 1200. Elle permet en fait de découper des matériaux plus épais et surtout elle a une lame qui s'adapte toute seule, dont les réglages s'adaptent toute seule à l'épaisseur, etc. Donc je vous montre, elle est ici. Si jamais vous avez une autre machine Scan & Cut, il faut juste penser que vous allez avoir votre lame qui est un peu différente, qui est à régler manuellement. Donc je vous conseille de faire des petits essais, parce que là, sur ce tuto, je ne vais pas faire d'essais pour gagner du temps. Mais si vous avez cette machine, vous devez la connaître un petit peu. Donc prenez un petit bout de simili et réglez votre lame tranquillement. Je vous conseille d'y aller pas trop fort au début. Vous la mettez pas trop épaisse, pas trop profonde en fait. Et puis vous augmentez au fur et à mesure jusqu'à trouver votre réglage optimal. Là, pour cette machine-là, vous verrez les réglages, je vais vous les expliquer. Voilà. Donc, avec ma Scan & Cut, j'ai besoin, si j'en ai, de petites lingettes bébé. Je prends celle-ci parce que c'était, il n'y en avait pas beaucoup, j'avais pas besoin de beaucoup. Ils étaient du coup moins d'un euro. Hein. Voilà, qui vont me permettre de nettoyer mon support de découpe après, pour pas le ranger tout cracra, parce que vous allez voir le simili, ça l'a. Enfin, c'est pas que ça l'abîme, mais voilà, comme ça colle, etc. On va pas récupérer un support de découpe hyper bien propre. Du coup, ne prenez pas votre feuille préférée. Prenez plutôt une feuille usagée qu'une feuille qu'un support neuf. Hein. Sauf si vous n'avez que ça, il n'y a pas de souci. Et avec ça, on va avoir besoin de la colle temporaire pour tissu. Donc, c'est Odif, la marque, et je l'ai trouvée chez Creative Découpe. Vous allez voir, on va s'en servir pour bien faire adhérer notre simili cuir au support de découpe. Je pense que si vous avez la caméo aussi, ça pourra vous servir. C'est vraiment devenu ma meilleure amie. Hein. Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et franchement, je m'en sers pour beaucoup de choses. Là, on va s'en servir dans ce tuto pour la découpe et peut-être pour la phase d'après. Si vous en avez, vous verrez, ça va bien vous servir. Voilà. Si vous n'avez pas de machine de découpe, ce n'est pas un problème pour ce tutoriel, enfin pour ce projet. Hein. Vous pouvez très bien travailler manuellement. Hein. Il vous faudra j'en perds mes mots. Une planche de découpe. Donc là, celle-ci, c'est la marque Fiskars. Vous pouvez utiliser ce que vous avez sous la main. Celle-ci, je l'aime bien parce qu'elle est auto-cicatrisante et je m'en sers souvent. Elle a un petit format, elle est pratique. Avec ça, eh ben, vous pouvez découper. Où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, votre simili. Soit à l'aide d'un cutter rotatif. Hein. Hop, comme ça, à l'ancienne, vous tracez bien et vous y allez tranquillement en utilisant ici une règle. Moi j'utilise celle-ci qui est transparente parce que on voit bien, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien les angles droits. C'est la marque Prime qui fait cette règle-là, je la trouve très pratique. Et donc on se sert de la règle pour se guider, mais si vous avez un doute, il y a des tutos sur le blog et à ce sujet, blog.dodinette.com. Si vous ne trouvez pas sur le blog, n'hésitez pas à chercher sur Google cutter rotatif de Dodinette. Vous allez trouver toutes les explications. Au niveau des ajourées sur mon sac. Bah oui, parce que là, avec le cutter rotatif, ça va être compliqué, ces ajourées-là. Donc, si vous travaillez manuellement, je vous conseille quand même d'utiliser un cutter qui se trouve ici. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez DecoCuir. Il est pas mal en prise en main, puis il n'était pas très cher non plus. Voilà, de bien marquer à l'aide du patron, vous allez récupérer les emplacements et de venir vous servir d'un réglet métallique de la même marque.
de poser et de découper tranquillement. Alors on y va doucement, ça va être un petit peu minutieux, mais je pense que c'est possible. N'hésitez pas, si vous voyez qu'il y a trop de découpes, vous pouvez faire d'autres formes, hein, un peu plus faciles, pour gagner du temps. Voilà, donc ça c'est pour la phase de découpe. Il va y avoir aussi des découpes de tissu. Donc pour ça, je ne vous le présente plus, mon ciseau chouchou Fiskars. Voilà, les ciseaux orange, ça je vais m'en servir tout à l'heure. J'utilise aussi cette paire de ciseaux de la même marque, dédiée au simili cuir. Elle est bien parce qu'elle est robuste, elle découpe très très bien et surtout elle évite d'utiliser ces fameux ciseaux chouchou et d'émousser les lames. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre dans ce tuto vidéo? Un petit coupe-fil, toujours de la même marque. Moi j'utilise toujours cette marque pour mes ustensiles de découpe, je trouve que c'est qualitatif. Ça va vous aider. Où en étions-nous? Eh bien, je pense que c'est bon pour les découpes. Maintenant, pour le traçage, comme d'habitude, ça vous l'avez souvent, hein, votre fameux mètre ruban va vous servir pour des petites mesures. D'ailleurs, je vais me le mettre là parce que, à mon avis, il ne va pas me manquer, je vais en avoir besoin. Et la règle que je vous ai montrée tout à l'heure, vous allez en avoir besoin également. Au niveau du traçage, deux choses, j'utilise un crayon pour marquer les textiles, pour mon jacquard, plus précisément. Donc c'est la marque Prime qui fait celui-ci. Moi je l'aime beaucoup parce que il est comme un critérium, la mine est fine et ce sont des craies qu'on peut changer. Voilà. Et au niveau des traçages, il va y avoir à la fin des traçages pour poser les anses, du traçage sur le simili cuir. J'utilise ce stylo que j'ai trouvé chez Déco Cuir. C'est un stylo d'argent qui permet de tracer sur le simili ou sur le cuir et après on peut l'effacer tranquillement. Voilà, vous aurez bien sûr toutes les références des produits hein, sur le blog, hein, sur le lien que vous avez cliqué tout à l'heure. Donc rassurez-vous, vous aurez tout. Bien sûr, on va coudre. Bah oui, hein, quand même. Et donc pour ça, moi, dans ce tuto vidéo, mais je vous la présente un peu plus après au début, j'utilise cette machine. Je ne vous la présente plus, vous la connaissez, beaucoup d'entre vous l'ont à la maison. La Power Fabric, qui permet de découper... n'importe quoi, de coudre des pièces épaisses. Voilà, donc c'est celle que je vais utiliser aujourd'hui. Et, pardon, dernier point, à la fin, vous allez voir, nous allons poser nos anses et on va les rifter. Donc, le matériel que j'utilise, il y a cette pince robuste à percer, qui est vraiment pratique. Celle-ci, elle provient de la mercerie des créateurs. Je l'ai depuis un moment quand j'avais testé les sacs de Jeanne-Émilie. Et ensuite, pour les rivets, j'en avais tellement marre de la pose au marteau. Donc j'utilise des rivets, je vais vous les montrer. C'est pas le bon coloris parce qu'il n'y en a plus. Hein. Des rivets double calotte, voilà, qu'on pose en fait avec une pince. Je vais chercher l'autre marque pour vous montrer. Voilà, donc c'est des rivets qui sont un petit peu plus longs. Et ils ont deux parties, une partie plate qui s'enclenche. Hop, sur cette partie-là, et on le pose avec une pince. Donc c'est terminé le marteau, taper, avoir un rivet pas droit, terminé. Et ma pince, c'est celle-ci. Donc c'est une pince pour poser les rivets, et donc il faut bien les matrices adaptées aux rivets que vous allez utiliser. Hein. Là, j'ai utilisé des rivets un peu gros, mais vous pouvez vous amuser à varier les plaisirs comme vous voulez. Cette pince, vous la retrouvez chez Déco Cuir et chez la mercerie des créateurs également. Voilà pour le petit point matériel, j'espère n'avoir rien oublié. N'hésitez pas à vous servir de ce que vous avez à la maison. Parfois le système D est très bien aussi. Et bien je vous dis à tout de suite pour le début du tuto. On commence tout de suite par la phase de découpe à la Scan & Cut. Si vous n'avez pas la Scan & Cut, comme je vous ai dit, manuellement, avec le patron, vous devriez vous en sortir. Allez, c'est parti pour presque une heure de couture ensemble. À vos machines, à votre Scan & Cut, sortez vos ciseaux et c'est parti. La première étape va être la découpe de l'avant du sac à la Scan & Cut, de toutes les pièces d'ailleurs, pour obtenir en fait hop, ceci. Voilà, donc en fait la partie est vidée dans mon simili. Donc moi je me suis servi de la Scan & Cut pour faire cette opération là, et puis j'ai trouvé que c'était une bonne utilité parce que vous me dites souvent est-ce qu'elle découpe des tissus épais. Je me suis dit bah on va profiter du coup de ce tuto pour faire une vidéo et vous montrer. Donc j'ai découpé un morceau de simili cuir, hein, qui est plus grand que la pièce que j'ai besoin de découper. Et préalablement, j'ai déjà inséré mon motif dans la machine.
Donc je vais aller le récupérer. Donc je vais donc récupérer les données et je vais aller chercher mon motif que j'ai déjà enregistré. Vous, vous l'avez sûrement inséré sur votre machine à l'aide de la clé USB ou bien simplement en faisant l'option Wi-Fi. Donc je vais récupérer ma pièce, hop, et elle va me l'afficher sur mon écran. Jusqu'ici, tout va bien. Et je vais vous montrer, du coup, je vais préparer mon simili sur mon support de découpe. Et après, rassurez-vous, je vais zoomer pour vous montrer un petit peu mieux les réglages. Donc, hop, j'enlève la feuille de protection. Donc, comme vous voyez, j'ai fait quelques tests. Donc forcément, ça a un petit peu marqué. Hop. Donc, moi, ce que je veux, ici, c'est venir mettre mon simili sur mon support de découpe. Et ce que je veux, c'est qu'il ne bouge pas du tout. Parce que la lame, là, elle va devoir quand même travailler assez profondément. Et il ne faut pas que ça bouge. Donc là, vous voyez, je suis collée, mais pas vraiment très très bien collée. Et donc, c'est là que je vais utiliser ma colle temporaire pour tissu. Elle va me permettre de bomber mon support, de coller mon simili pendant la phase de découpe. Et ensuite, de pouvoir le décoller facilement. Hop. Donc, je secoue. On évite de respirer trop la colle. Et je viens bomber mon support de découpe. Tac. Je place mon simili. Alors, là, cette étape, je ne vais pas vraiment mesurer. Je fais en sorte que mon simili, voilà, soit sur ma feuille de manière assez centrée. Si vous voulez mesurer, il me semble que la hauteur et la largeur là, du rectangle de découpe, c'est 30,5. Donc si vous voulez faire 30,5 pile poil, vous pouvez. Vous serez sûr au moins de pouvoir découper votre motif correctement dedans. Hop. Je vais venir ici. Donc je fais attention au sens de ma flèche. Ça doit aller dans ce sens-là. Et je vais déjà appuyer sur insertion pour insérer mon support. Voilà. Donc là, je suis prête à travailler. La machine, comme j'ai déjà fait un test, elle m'avait demandé de monter ici. Vous savez, ici, il y a un petit cran pour monter de niveau parce que mon simili est épais. Donc, normalement, je l'ai déjà fait. Si la machine vous le demande, bien sûr, il faut le faire. Et maintenant, nous allons lancer la découpe. Au niveau de mes réglages, j'ai bien ici, au niveau des quadrillages, mon motif à découper. Et la machine va me demander ce que je veux faire. Donc, moi, ma première étape, en fait, je vais appuyer ici pour scanner mon support de découpe, marche, et vérifier que ma pièce à découper rentre bien dans mon simili. Donc là, la machine est en train de numériser, et vous allez voir dans quelques secondes, sur l'écran, le simili que j'ai collé tout à l'heure va s'afficher, pour pouvoir vérifier que tout est bien en place avant de lancer ma découpe. Voilà. Donc bien sûr, on voit un grand carré noir, ce qui est normal, et moi je vais aller sur édition, prendre tous les petits carrés, sélectionner tout. Et là, du coup, je vois tous les traits de découpe qui s'affichent sur mon écran. Bon, là, je suis un petit peu ricrac, mais ça devrait passer. Voilà, donc je suis dans mon simili, tout me convient. Si ça ne me convient pas, je lui dis OK. Et je viens ici sur la flèche et je déplace l'ensemble de mon motif. C'est pour ça que j'ai pris tous les petits carrés rouges et pas les pièces une par une, sinon je ne vais plus avoir le même sac. Voilà, donc là quand je suis prête, ok, ok, et la machine me demande qu'est-ce que je veux faire. Donc je vais sélectionner, c'est de la découpe que je veux faire. Elle me rappelle les réglages de base qui sont déjà programmés. Moi je vais venir dans la petite clé, et je vais surtout venir vérifier que l'option demi-découpe est sur off, parce que moi je veux traverser toute l'épaisseur du simili. Pour le reste, la pression de découpe est en auto, la vitesse de découpe est à 3. Ça, je pense que ça devrait aller. Après, il faut toujours au moins quand même faire un test. Donc c'est en faisant qu'on apprend. Donc soit vous faites un petit test dans un coin. Mais là, je suis un peu ric-rac au niveau de ma pièce. Donc du coup, ça va être compliqué. Soit vous prenez un petit morceau de simili et vous testez en fait en faisant un test hein, à l'endroit de test, ici. Mais moi, c'est pas ce que je vais faire. Maintenant, je vais appuyer sur marche et je vais vous montrer comment fonctionne la machine. Je lance ma découpe. Alors bien sûr, on ne vient pas mettre ses doigts partout, on laisse travailler la machine. J'appuie sur marche. Et là donc elle me dit découpe 2 minutes. Et la machine maintenant va découper tranquillement la pièce
Dans la pièce que je vous ai mis en téléchargement, il y a également les contours de tracé. Donc vous n'avez pas du tout besoin de découper le contour du sac. Là, c'est ce que la machine est en train de faire. Je vais vous monter un petit peu, voir un peu plus. Voilà. Donc là, elle est en train de faire les découpes centrales. Et on la laisse travailler. Alors, on peut apprécier quand même sur cette machine le bruit. Hein. Elle est plus silencieuse que les autres. Et si tout se passe bien, je vais me retrouver avec la pièce avant ou arrière de mon sac découpé. Donc, au fur et à mesure ici, je ne sais pas si vous voyez, elle dit la durée de découpe, comment elle avance. Donc là, il reste 2 minutes encore. Généralement, moi, je reste toujours à côté parce qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri de quelque chose qui se décolle. Donc, on va patienter. Et voilà, on n'a plus qu'à admirer le travail. J'ai inséré mon motif de côté de sac. De la même manière. Donc là, c'était une chute qui était déjà découpée. Hein. J'ai pas mesuré, j'ai pas vérifié sur l'écran les petits carrés que ça corresponde, etc. Mais ça, c'est à vous de le faire. Si vous avez la scan and cut, vous êtes habitué. Et sinon, si vous voulez, si vous ne savez pas trop comment ça marche, vous pouvez cliquer en haut de l'écran. Et normalement, vous devriez avoir accès à un autre tuto sur la scan and cut. Pareil que tout à l'heure, je bombe. Je viens vérifier que tout s'est bien passé. Je retire un morceau du simili. Vous voyez que ça part très très bien. La découpe est nette. Et donc là, j'ai ma pièce avant de sac qui est découpée. Et ça, c'était ce qu'il y avait en surplus. Ensuite, je vais venir tirer. Et normalement, les parties vidées vont rester collées sur la feuille. Si elles ne sont pas super bien découpées et qu'il manque un tout petit coup de ciseau, vous pouvez le faire manuellement aussi. Hein. Et du coup, là, par exemple, il me manque un bout. Hop, voilà. Et donc, je me retrouve avec 2 pièces. Donc, j'en ai déjà travaillé une. Et voici l'autre. Et donc, ça, ce sont mes 2 faces avant et arrière de sac que je vais assembler. Donc là, ce qui va me manquer, il va me manquer les pièces des côtés et la pièce de fond de sac. Donc, en suivant exactement la même technique, je vais venir les découper en utilisant le fichier que vous avez récupéré, hein. Avec la scan and cut exactement de la même manière. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais pas mis assez de colle. Donc comme je n'avais pas mis assez de colle, la machine, en fait, le simili s'est décollé
Et du coup, la machine n'a pas fait une coupure nette. Sur le reste, ça va. Mais ici, j'avais pas assez bombé. Du coup, ça a bougé. Donc, c'est bien aussi de vous montrer quand ça marche pas totalement parfaitement. La prochaine fois, je mettrai plus de colle. Et puis là, je vais le faire du coup manuellement avec une paire de ciseaux qui est dédiée au simili-cuir. Je vois le premier passage. Je vais pouvoir rattraper tranquillement. Mais bon, c'est vrai que ça aurait été mieux si j'étais parfait. Hop. Voilà. C'était pas grand chose. Hop. Hop. Voilà. Donc du coup, là, ma planche, avant de la ranger, je vais quand même la nettoyer avec une petite lingette bébé. Pour éviter d'emmener toute cette partie collante. Alors effectivement, quand on utilise du simili-cuir, souvent ça salit. Donc faut pas prendre votre plus beau support de découpe non plus. Donc là, je vais pas arriver à récupérer totalement, mais ça va arranger un petit peu mes affaires pour une prochaine fois. Je la laisse sécher, ça va raviver un petit peu la colle et je vais pouvoir ensuite la ranger. Je vous montre de plus près le rendu de mes pièces. Donc mon fond de sac qui est découpé. Il y a tous ces petits triangles là, enfin des petites formes. Je les ai gardés parce que je vais peut-être m'en servir, je ne sais pas encore. Je vais les mettre ici. J'ai ma pièce avant de sac. On voit que quand même la découpe est très nette. Hein. Je n'ai pas quelque chose d'assez net. La deuxième partie. Et j'ai mes deux côtés à assembler tout à l'heure. Donc là, la première étape, maintenant on va passer à la machine à coudre. On va déjà commencer par assembler le fond de sac avec les deux pièces d'avant et de dos de sac. Et moi j'ai décidé de me rajouter, pour que ce soit plus sympa, une petite bande de tissu. Ça vous l'avez hein, dans le fichier découpe qui est au début. J'ai découpé donc dans mon wax une petite bande. De la largeur de ma pièce, bon elle est un tout petit peu plus grande mais ça va bien se passer quand même. Et j'ai choisi de la découper de 3 cm de hauteur. Pourquoi? Donc là j'ai déjà mis un petit coup de fer à repasser. Hein. Je la plie envers contre envers et je marque le pli au fer. Et maintenant on va commencer, on va passer à la machine à coudre pour assembler l'avant de notre sac. Donc avant de commencer, je vous fais un petit point en machine. Donc vous remarquerez dans ce tutoriel que j'utilise la machine à coudre Power Fabric de Toyota. C'est principalement parce que je vous en ai beaucoup parlé récemment sur les réseaux et que je ne vous l'avais pas encore montré en train de travailler. Du coup, je me suis dit, bah voilà, c'est l'occasion. En plus, on va travailler un petit peu d'épaisseur, donc de voir un peu comment elle fonctionne. J'ai avant déjà monté le pied double entraînement parce que si vous me connaissez, vous savez que c'est mon pied chouchou. Et comme c'est une machine dédiée aux épaisseurs, bien sûr, je laisse en fixe dessus. Voilà pour le point machine et maintenant donc, je vais enfiler ma canette hein, pendant que je vous parle et puis je vais vous montrer comment positionner le tissu et on va commencer à coudre. Donc n'hésitez pas si vous regardez ce tuto en même temps à faire pause, faire en même temps que moi, ce sera plus sympa et on aura l'impression de coudre ensemble. Hop, donc c'est parti. Donc pour cette première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, je récupère ma bande hein, de jacquard donc qui a tendance un petit peu à filer mais c'est pas grave parce que... On va la prendre dans la marge de couture. Donc je la plie en deux. Et ah oui, alors la première étape, il faut repérer sur l'avant du sac qu'est-ce qui est le haut, qu'est-ce qui est le bas. Donc pour vous repérer, la partie centrale, la pointe la plus courte doit être vers le haut. Et c'est surtout qu'ici, j'ai prévu une marge de couture plus importante pour assembler le sac au final. Donc une fois qu'on a repéré ça, donc le haut est ici, je vais venir me placer sur le bas, je vais plier ma bande en deux et je vais venir l'aligner sur le bas de ma pièce. Donc j'utilise des petites pinces de couture, bon, je les ai mises à l'envers, hein. Vous connaissez le principe normalement. Hop, je viens fixer comme ça sur le bas, j'aligne bien tout ça, voilà. Donc là, à ce niveau de possibilité, soit vous êtes débutante et vous préférez être sûr que votre pièce ne bouge pas, donc à ce moment-là, ici sur le bas, vous pouvez venir faire une petite couture de maintien à 0,5 cm du bord, hein, ici. Moi, c'est pas ce que je vais faire, mais vous pouvez faire cette première étape si vous voulez être sûr
que tout se passe bien par la suite. Ensuite, je vais venir prendre ma pièce de fond de sac et je vais venir l'aligner tout en bas. Donc, je prends en fait ma bande de tissu qui est pliée en deux en sandwich entre les deux pièces. On la voit, elle est ici. Maintenant, je vais venir avec ma machine réaliser une couture au point droit sur toute la longueur du bas de sac à 1 cm. Et je vais allonger un petit peu mon point pour aider ma machine à piquer les épaisseurs. Donc moi, je vais régler mon point sur 7 et ma tension du fil, bah je vais la baisser un peu à 3. Alors vous allez voir, cette machine, elle fait un peu de bruit, hein. C'est une mécanique. Point retour. Et je vous avouerai que j'aime beaucoup ce son. Je vais obtenir ceci si j'ouvre mon ouvrage. Ah, j'ai un fil qui traîne là. Attendez, je vais le couper. Voilà. Hop. Donc, je vais obtenir ceci. J'ai ma bande de tissu qui vient dépasser entre les deux. Donc je ne dois pas voir de fil arriver hein, parce que le jacquard s'affile. Si jamais vous voyez que c'est un peu près, vous pouvez replier et piquer un petit peu plus loin. Là, je ne suis pas vraiment à 1 cm. Du coup, je pense que je vais repasser un petit coup. Voilà le rendu. Donc moi, ce qui m'intéresse, je voudrais en fait que cette bande, en fait, elle vaille pas vers le haut mais vers le bas. Donc pour ça, je vais venir coucher en fait les marges de couture qui sont là. Je vais venir les coucher au dos de la pièce du haut, comme ceci. Hop, je vais placer une pince. Et de l'autre côté, de la même manière, pour qu'en fait elle plaque bien vers le bas. Voilà. Donc là, j'ai le rendu qui m'intéresse. Et je vais venir du coup effectuer une surpiqûre. Là, donc pour traverser toutes les épaisseurs, hein, j'en ai pas mal, hein, j'ai deux marges de couture de 6 mm, la marge de couture de coton, enfin de jacquard, et je vais venir là réaliser une surpiqûre pour bien tout plaquer. Comme repère, je prends ce que je veux, hein, l'important c'est que je pique dans la marge de couture qui se trouve ici, hein, vers le haut de sac. Donc comme j'ai 1 cm, moi je vais me mettre, je vais prendre en repère le pied de biche, là, tant que je suis dans les 1 cm, il n'y a pas de souci. Je reste sur mon point allongé surtout. Et j'y vais tranquillement. Et voilà le résultat. Je sais pas si vous voyez. J'aime beaucoup cette machine. Je trouve qu'elle fait vraiment des points réguliers et jolis sur l'épaisseur. Donc là, j'ai fait ma première partie de sac et je vais venir assembler la deuxième partie. Je vais vous dézoomer. Donc du coup, j'ai terminé ce côté-ci et il va me rester faire exactement de la même chose de l'autre côté du fond de sac. Parce qu'en fait, mon sac va se positionner par la suite comme ceci. Donc du coup, pour faire ça, je vais récupérer mon autre partie avant de sac qui se trouve ici. Hop, celui-là, on va le pousser. Et de la même manière, je vais venir plier en deux ma petite bande de jacquard découpée. Donc là, je ne l'ai pas marqué au fer. Hein. Donc du coup, hop, je vais tourner, je suis désolée. C'est plus pratique pour moi. Donc, ça va être un petit peu plus long parce que je vais devoir la plier en même temps. Et je vais venir exactement de la même manière hop, la mettre sur le bas du sac. Donc c'est exactement comme à l'étape précédente, c'est la même chose.
Donc encore une fois, si vous préférez réaliser une couture de maintien, hop comme ceci, à 0,5 du bas du sac, c'est tout à fait possible. Sinon, je viens couvrir donc avec mon autre pièce que j'ai déjà découpée et je viens aligner du coup la partie du fond de sac qui est libre sur le bas. Je replace mes petites pinces. Donc là, la petite bande de tissu, en fait, c'est une manière de mettre un tissu coloré en avant sur mon sac pour rappeler en fait l'intérieur. Je pourrais aussi choisir de positionner du passepoil, mais j'avais envie de changer un petit peu. Et puis, je sais que certaines ne sont pas très à l'aise avec le passepoil, avec les épaisseurs. Donc, c'était pour vous montrer une autre astuce. Exactement comme tout à l'heure, je viens réaliser ma couture au point droit à 1 cm. De la même manière que tout à l'heure, je viens remonter la marge de couture vers le haut du sac. Hop. Et je vais venir surpiquer sur toute la longueur. Donc là, je suis un peu gênée hein, par toute cette partie-là. Je peux la plier un peu. Hop, retirer ça. Et comme tout à l'heure, j'avais pris à peu près un repère sur mon pied. Hein. Tant que je suis dans le 1 cm, ça va bien. On tire un petit peu hein, pour bien plaquer. Ah. Des enfilages. Tranquillement, je tire bien mon tissu là pour rester à distance constante hein, et pas avoir le timide qui revient. Voilà, la partie extérieure de mon sac est montée. Il va me manquer juste les pièces de côté, mais ça, je vais les assembler après. Donc, à cette étape-là, ce que je vais avoir besoin, donc, c'est de récupérer mon tissu. Et moi, ce que je vous propose pour que ce soit le plus simple, je vais me servir de cette partie en simili comme d'un gabarit. Alors, vous remarquerez, oui, je ne travaille pas dans le sens du droit fil sur ce tuto, parce que je pensais faire la partie intérieure en plusieurs morceaux et les découper comme ça, mais finalement j'ai changé d'avis, donc là maintenant je vais travailler comme ça. Voilà, bon, vous, si vous voulez que ce soit parfait, etc., vaut mieux prendre un peu plus de tissu en hauteur. Finalement j'ai changé en cours de route, comme ça m'arrive souvent. Donc je viens positionner, j'aligne sur le bord là, sur la lisière du tissu, je vais venir aligner le bord de mon sac, voilà. Je l'aplatis bien parce que j'ai besoin d'une pièce qui fasse exactement cette taille-là. Et là, bon, pour ne pas faire une vidéo trop longue, hein, je ne vais pas vous montrer la découpe, mais bien sûr, vous avez bien compris, je me sers d'une règle. Je vais venir tracer avec un crayon textile, en l'occurrence celui-ci, c'est un prime qui est pas mal parce qu'il a une toute petite craie au bout. Donc je vais venir tracer, hop, avec mon crayon, le tour de cette pièce. Hein. On ne travaille pas du tout sur l'intérieur, juste le tour. Et après, une fois que j'aurai fait ça, avec mes petits ciseaux Fisker Chouchou pour le tissu, vous remarquerez qu'ils sont gravés ceux-là, c'est bien, c'est chic. Je vais venir découper le jacquard pour obtenir une pièce de la même taille. Voilà,
Je vous laisse travailler et on se retrouve à l'étape suivante. Ma découpe est terminée comme vous pouvez le voir et donc je me retrouve avec mon sac qui commence à prendre forme. J'adore ce tissu, il est canon. Donc du coup, moi ce que je me suis dit, c'est que effectivement, hein, si je mets des choses lourdes dans mon sac, j'ai peur que là, le simili se déforme un peu et que ça s'abîme ici. Donc moi ce que je vous propose pour renforcer le sac, c'est de venir en fait avec la machine coudre un petit peu là autour des petites formes. Pas partout, hein, pas sur les côtés parce que ça va nous gêner pour assembler le sac, mais au moins, je vais vous mettre à l'endroit, c'est mieux. Au moins sur ces pièces là et puis le côté peuvent rester un peu libre, ça c'est pas un souci. Donc pour ça, soit j'utilise des pinces, mais vous voyez bien que si je mets des pinces sur les côtés, il va pas se passer grand chose au milieu. Soit j'utilise des épingles ici, sauf que je vais faire des trous dans mon simili. Donc deux options, soit vous prenez du masking tape et vous le scotchez pour pas que ça bouge, soit vous utilisez la colle temporaire. Et comme j'ai jamais essayé, mais bah, on va essayer ensemble. Donc du coup, je vais recouvrir mon petit bureau avec un vieux papier et je ne vais pas venir bomber comme ça, on est bien d'accord. Moi je veux enduire de colle le dos du simili et venir le poser sur le tissu parce que j'ai pas envie de me retrouver avec de la colle sur mon tissu. Donc pour ça, on va faire l'essai ensemble, hein, qui ne tente rien à rien. Voilà, je vais venir bomber uniquement la partie centrale en haut et ensuite en bas. Et après, je vais le placer en espérant que ça fonctionne. Voilà. Et là, on la voit pour le coup, la colle. Hop. Il faut que je me dépêche quand même un peu. Touk. Je suis prête. Hop là, attention. Ça colle. Alors, je place mon tissu en faisant attention de ne pas faire trop de plis, tout ça. Et alors là, le moment de vérité, je vais venir... quand même viser un peu, hein. Bon, comme c'est de la colle temporaire, ça va, on peut quand même la déplacer. J'avais un peu peur, remarque, cette technique devrait être meilleure. Hop, voilà, ça c'est bien. Et là, ouais, donc quand on est pas mal, bon, il y a un petit décalage quand même, quand on est pas mal, ensuite on va appuyer. Alors cette colle, elle peut aussi servir quand on fait de la broderie, hein. C'est ce que on a dit chez Creative Découpe, ça permet de renforcer un petit peu pour broder, éviter de mettre des renforts de broderie. Donc ça aussi c'est à essayer, je pense que j'essayerai bientôt quand je vous ferai un tuto de broderie. Alors voilà, j'appuie. Alors le but c'est que ça tienne le temps de coudre, hein. On n'a pas besoin d'un truc permanent. Ouais, c'est pas mal. Si si, ça reste pas mal, pas si vous voyez bien, mais ça reste pas mal en place, donc ça c'est cool. Les côtés, j'ai fait attention de ne pas en mettre parce que je vais en avoir besoin. J'ai pas trop de plis. Et ben c'est parti. Je vais sous la machine. Comme on avait dit tout à l'heure, je vais venir juste piquer. Hein. Je vais faire du point droit. Je vais pas faire quelque chose de compliqué. Juste pour fixer les deux tissus ensemble. Alors, ah, c'est pas mal parce que là mon pied fait la largeur. Mais essayez de vous prendre un repère, hein, sur le bord des découpes. Sur le pied pour suivre. Je vais peut-être vous zoomer un peu pour voir mieux, parce que là, c'est un peu loin. Voilà. Et là, je vais faire un petit peu de point droit, tranquillement. Alors, le but, c'est de faire un point qui tienne, hein. C'est pas non plus... on joue pas notre vie, hein. Voilà, c'est pour renforcer un petit peu. Moi, j'ai démarré ici, mais vous démarrez où vous voulez.
voici le résultat obtenu. Finalement, j'ai juste piqué en fait le tour des pièces du milieu parce que j'avais peur que ça fasse trop et puis j'aimais bien l'effet un petit peu non collé. Donc vous voyez que la colle, hein, si je tire dessus, vient, elle n'a pas marqué mon simili ni mon tissu, donc c'est parfait. Et maintenant, à cette étape, en fait, on va assembler les côtés du sac. Donc, ah oui, je voulais vous montrer aussi quelque chose. Ah oui, tout à l'heure, j'ai gardé ces petites parties-là et je vous ai dit, je ne sais pas si je vais en faire quelque chose. Je me suis dit, si vous êtes d'humeur créative, ça pourrait être sympa de récupérer des petits triangles et venir, par exemple, les positionner sur le simili. Là, avec le reflet, peut-être vous voyez mieux. Les bomber avec un peu de colle et venir les poser sur le simili et les piquer pour donner un petit peu de volume au sac, d'épaisseur. Il faut voir où est-ce que ça rentre, hein. Faut regarder les petits trucs. Là, je ne vais pas le faire sur ce tuto, mais dans l'idée, vous pouvez tout à fait le faire. Je vous conseille plus de le faire dans le bas, les trous, etc., que dans le haut, parce qu'ici, on va poser les uns sur le sac tout à l'heure et ça risque de nous gêner. Donc, maintenant, à l'aide de mes côtés de sac que j'ai coupés à la Scan & Cut, je vais m'en servir comme gabarit. Et là, je l'ai déjà fait, mais je vais découper les mêmes côtés de sac, exactement la même pièce, hop, dans le jacquard pour pouvoir assembler mon sac. Donc, on va commencer par assembler la partie simili, parce que c'est la moins rigolote. Et puis après, vous allez voir assez rapidement que c'est la même chose pour le jacquard. Donc, pour assembler notre simili, donc déjà, on va pousser le jacquard, parce qu'on n'en a pas besoin là, tout de suite. Et on va venir plier notre sac endroit contre endroit, comme ceci. Est-ce que vous voyez bien? Je vais vous remonter un petit peu peut-être. Voilà. Donc là, on est bien d'accord. Le joli côté est à l'intérieur. Et je viens prendre mon sac comme ça. Donc je vois là, ce sont les côtés. Donc je vais prendre une pièce. Il y a des fils partout avec ce jacquard. Prendre une pièce de côté de sac. Et je vais venir la mettre endroit contre endroit. Et la placer déjà sur un des côtés. Hop. Et je vais descendre jusqu'à peu près là où il y a la première marche de couture. Alors, est-ce que je peux vous zoomer un petit peu? Voilà. Donc là où il y a la première marche de couture, là en bas, là où on a mis le petit morceau de tissu. Et j'arrête d'épingler, mais en fait, j'arrête de pincer. Hein. Voilà. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté. En fait, le but, c'est de bien placer le haut pour pouvoir répartir l'ampleur correctement en bas. Hop. Et je me retrouve ici avec l'ampleur du sac et cette partie-là. Donc, il faut prendre un petit peu son mal en patience. Hein. Il faut vraiment venir positionner le simili correctement. Et là, c'est la même chose. En fait, je vais donner une forme au sac pour venir répartir le simili dedans. Donc, normalement, si on ne tire pas trop, ça tombe pile poil. Si ça ne va pas, on n'hésite pas à redéfaire ses pinces et recommencer. Là, ça a l'air de tomber pas mal. Alors, j'ai un petit pli ici. Donc, je continue. Je rectifie un peu plus loin. Je ne perds pas patience. J'arrondis bien le haut de mon simili. Pour ne pas avoir de soucis. Je vais tourner peut-être pour voir mieux. Hop. Et tranquillement, je vais venir répartir mon ampleur. J'hésite pas à bouger un petit peu les pinces, mais le but est que ça rentre. Si jamais ça rentre pas, bah vous pouvez commencer du bas et venir couper le haut, c'est pas un souci. Normalement, ça devrait tomber. C'est toujours les phases délicates. Hein. Dès qu'il y a un peu d'ampleur, dès qu'il y a un petit peu d'arrondi, vraiment prendre son temps pour éviter d'avoir des plis ensuite à la machine. Donc, là. Pas hésiter à arrondir aussi. Plus de pinces. On y va tranquillement.
vraiment le positionner vers l'intérieur du sac en alignant le bord, lui faire prendre, je sais pas si vous voyez bien sur ma vidéo, lui faire prendre la forme en fait sur l'intérieur, hein, lui tirer sur l'intérieur de la pièce. Là, je suis en train de réduire mon pli. Désolée, c'est un peu long, mais ça me permet de vous montrer en même temps que parfois on pense que ça tombe pas, mais qu'en fait c'est possible. Donc j'aplatis bien mes marges de couture hein, du côté où elles étaient pliées. Hop, je répartis tranquillement tout ça. Et voilà, donc là ma pièce elle est alignée en haut, on est bien d'accord, hein. Et je n'ai pas de plis, elle est bien placée, hop. Voilà. Bon, vous avez vu, il m'a fallu quand même quelques minutes, hein. Donc vous prenez votre temps aussi tranquillement et ça devrait bien se positionner. Si vraiment vous n'arrivez pas, à ce moment vous alignez là et vous recoupez le simili en haut. Hop. Ce qu'il va falloir faire maintenant, on va réaliser une couture à soit 0,5, soit 1 cm, ça dépend comment vous êtes à l'aise, hein. Vous voyez, en fonction de votre simili et tout ça. Il va falloir réaliser une couture là, sur tout le tour, d'accord? Mais sans prendre le jacquard, donc on va bien aplatir notre tissu derrière, et on va venir à la machine à coudre, faire le tour, bien sûr, on ne ferme pas le haut, hein, parce que là, ça c'est l'entrée du sac. Donc on fait ça, et surtout, on ne met pas de tension sur notre simili, c'est-à-dire on ne le tire pas, sinon on va avoir un décalage qui ne sera pas joli. Sur la partie délicate, l'arrondi. Donc on y va tranquillement. Quitte à s'arrêter, hein, on enlève ses pinces. Là j'arrive à une pince, par exemple, je plante mon aiguille. Je retire ma pince et je maintiens bien. Je peux soulever mon pied pour tourner un petit peu. Je fais attention aux plis. Bon, ça va pas être joli dans mon simili. Pareil, deuxième pince. Je plante mon aiguille. Je tiens mon tissu. Je peux soulever un peu mon pied pour faire mon arrondi. J'y vais tranquillement comme ça, sur tout le tour. Bien sûr, si vous décidez de piquer à 1 cm sur cette pièce-là, il faut faire la même chose de l'autre côté et aussi la même chose quand on posera les pièces de jacquard. Hein. Il faut vraiment repérer votre marge de couture et vous y tenir. Pas trop de décalage, un petit 2 mm, donc c'est vraiment pas grand chose. Hop. Je vérifie tout de suite en tirant un peu sur ma couture, voir si ma tension du fil est bonne, donc ça c'est bon.
Je peux éventuellement retourner mon sac pour voir le rendu, hein, parce que c'est toujours mieux de voir une erreur tout de suite qu'à la fin. Hop, ça me semble pas trop mal. Voilà, donc là, ici à l'intérieur, je vais venir cranter un petit peu ma marge de couture tout à l'heure. Là, c'est pour vous montrer un petit peu. Et donc, je me retrouve avec, hop, le côté de mon sac de poser. Voilà, donc je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse faire de même. Et ensuite, on va voir comment ben, on va venir fermer la doublure aussi avec le coin, le bord de sac en jacquard. Hop. Donc, c'est parti pour l'autre côté. Et à tout de suite pour le jacquard. Donc, une fois que j'ai cousu mes deux côtés, c'est ce qui se passe là. Je me retrouve avec un sac qui est sur l'envers. On est bien d'accord, avec les deux côtés en simili de cousu. Je vais venir positionner ma pièce de jacquard pour pouvoir fermer mon sac. Mais la petite astuce, c'est que moi, c'est ce côté que je vais voir à l'intérieur du sac et pas celui qu'on voit au travers. Donc en fait, pour ça, je vais venir retourner ici mon jacquard, d'accord, pour voir la partie qu'on voit à l'extérieur du sac apparaître. Et exactement comme tout à l'heure, donc là, c'est un petit peu de gym. Hein. Hop. Je vais venir positionner. Tac. Donc en fait, je travaille, il faut que je pense bien, donc là c'est tout un exercice là, donc je vous répète, l'intérieur et le jaune, hein, l'intérieur du sac, parce que moi je vais voir au travers ceci, mais je ne veux pas voir ma couture à l'intérieur du sac. Donc, je retourne mon sac et je travaille comme ceci. Je mets pour moi maintenant tout de suite, l'endroit du tissu devient le jaune, d'accord? Donc, je mets ma pièce endroit contre endroit, donc l'endroit de l'intérieur du sac. Hop, des deux côtés. Je l'épingle, enfin je l'accroche comme ceci. Et je vais venir exactement comme tout à l'heure, répartir l'ampleur de mon jacquard pour fermer mon sac. Donc je vais être gênée un petit peu par le simili quand je vais coudre. Ça va être un petit peu sport, mais ça se fait. Donc je vais vous laisser répartir tout ça et pour que ce soit bien mis, etc. Et on va coudre ensemble cette pièce. J'ai terminé de répartir toute mon ampleur. Hop, je tombe bien. Donc voilà, donc je me retrouve comme ceci. Donc là, j'ai mon sac sur l'envers qui est accroché en simili. Et la pièce de jacquard qui, là, du coup, est positionnée de cette façon-là. On est bien d'accord que maintenant, c'est le jaune qui nous intéresse, qui devient l'endroit du tissu pour cette étape. Donc on va venir la coudre exactement de la même manière. Donc en fait, je vais me positionner. Hop. Une fois que vous avez terminé votre couture, donc vous vous retrouvez avec la partie assemblée comme ça, comme ceci. Et si on retourne le sac sur l'endroit, enfin sur maintenant la doublure à l'endroit, qui est la partie jaune, on ne voit pas du tout la couture. Donc ça, c'est parfait. Par contre, comme on travaille sur du jacquard, il va avoir tendance à filer. Donc, pour avoir des finitions qui soient le plus jolies possible, parce que je vais vous montrer, on va repasser notre sac. Alors, on va le repasser comme s'il était terminé sur l'endroit. Voilà, hop. Dézoomer un peu, voilà. Donc, quand je repasse mon sac sur l'endroit, avec la partie que je viens de fermer, je me retrouve comme ceci. Donc, j'ai bien l'extérieur. Bon, là, j'ai des fils qui traînent, hein, il va falloir que je les enlève. J'ai bien l'extérieur. Là, j'ai bien la couture qui n'est pas apparente. Mais ici, en fait, à l'intérieur, ce qui peut se passer, c'est que la doublure, elle va revenir comme ça vers l'intérieur du sac. Et ça peut filer. Et si jamais ça file, ça file, ça file et que ça arrive à votre couture, vous allez avoir un trou dans votre sac, ce qui n'était pas le but. Donc, plusieurs options pour vous. Soit vous travaillez sur du coton. Et à ce moment-là, vous crantez juste la marge de couture là, à l'intérieur, que vous venez de faire. Soit vous travaillez sur du jacquard comme moi, et pour éviter les fils, vous pouvez. Soit venir avec votre surjeteuse, surjeter le bord de la couture là que vous venez de faire, surjeter la marge de couture, hein, mais il faudrait la monter en fil noir pour que ça ne se voit pas trop, ou un fil assorti. Soit vous allez venir positionner un petit biais, vous savez, plié en deux, sur tout le tour de cette couture. Voilà. Moi, c'est l'option que je vais choisir parce que je trouve que ce sera plus joli au cas où si jamais sur le côté, on se met à voir le bord de mon sac. Donc je vais aller chercher un petit biais noir pour faire ça. Donc, je vais vous montrer la technique pour faire ce côté. Bien sûr, on est d'accord, il faudra faire la même chose de l'autre côté.
je vais faire, hop, voilà, tranquillement, je vais venir prendre donc du coup un petit billet que je vais ouvrir. Et de manière classique, hein, comme quand on pose un billet, hop, il y a des fils partout. Je vais venir l'épingler sur tout le bord ici. Alors j'espère que vous voyez, puisque c'est du noir sur un quelque chose de foncé. Là maintenant que ma pièce est assemblée, elle ne bouge plus, donc c'est plus facile pour moi de positionner mon billet. Une fois qu'elle est cousue, si elle n'est pas cousue, c'est un peu mission impossible quand même. Voilà. Donc je la répartis bien sur tout le bord. Je le répartis bien, pardon. Hop! Pour avoir des finitions impeccables. Après, il y a aussi l'option de surjeter, c'est pas un souci. C'est juste que moi, j'avais pas trop envie de changer les fils de ma surjeteuse là tout de suite. Mais ça peut très bien se faire. Le but est d'emprisonner en fait la marge de couture dans le biais pour éviter que ça file et que ce soit plus joli. Donc je vais couper un peu plus loin pour avoir de la marge. Et donc là exactement comme tout à l'heure, hein, je viens coudre sur tout le tour. Donc là je vise en fait la pliure du biais sur tout le tour. Je fais un point avant-arrière, un point avant-arrière à la fin. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir plier le biais dans l'autre sens. Donc, maintenant que ça c'est fait, couper le petit fil, c'est mieux, hop, je viens, donc j'ai cousu comme ça hein, mon biais, on est bien d'accord, je vais vous zoomer un petit peu, mais je pense que vous voyez, voilà, donc j'ai cousu mon biais ici, on voit ma couture, et donc je vais venir le replier sur lui-même une première fois, ici le pli est fait déjà, hein, je le laisse, d'accord, donc je le plie une première fois, là je vais vous mettre de ce côté, et je viens le replier une seconde fois comme ceci sur la marge de couture. Hop, je vais positionner des pinces. Alors vous allez me dire, le haut on n'a rien fait de spécial, c'est normal parce qu'on n'a pas fini d'assembler notre sac, donc pour l'instant on va le laisser comme ça à brut. Voilà, et donc je répartis tranquillement. On peut trouver des pinces qui n'ont pas trop de fil. Je répartis tranquillement mon biais, hop, sur tout le tour. Voilà. Si comme là j'ai un petit peu de décalage de tissu, je peux le couper. Pour avoir quelque chose de net. Alors là, c'est pas un biais sur lequel on va mettre son nez, on est bien d'accord. Hein. C'est un biais qui est entre le sac et la doublure, donc personne ne va aller le regarder. Donc s'il n'est pas posé au millimètre près, pas d'inquiétude, ce n'est pas grave. C'est juste pour avoir une finition, éviter que mon tissu file, déjà, et puis avoir quelque chose de mieux fini. Donc maintenant, soin du bout, je vais venir avec ma machine à coudre, repiquer sur mon biais pour prendre les deux parties d'un seul coup. Hein, je vais tout traverser et prendre en sandwich le bord du tissu et avoir une finition qui va être chouette. Donc voilà mon biais posé.
si je le remets à l'intérieur de mon sac correctement. Voilà. Du coup ici, je n'ai toujours pas ma couture apparente, hein. C'est ce que je voulais, à l'intérieur du sac. Et là, sur le côté, si par hasard ça vient se déplacer, je vais voir juste le billet et je verrai pas de fil. Voilà. Bon, a priori, quand il sera plein, ça devrait pas bouger. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini ce côté-là, bah, c'est exactement les mêmes étapes de l'autre côté. Et donc, voici ce que ça donne quand on remet le sac à l'endroit, une fois qu'on a bien sûr assemblé le deuxième billet de l'autre côté du sac. Je ne vous l'ai pas montré, puisque il suffit de remettre la vidéo en arrière si vous voulez re-regarder. C'est exactement les mêmes étapes. Et donc, une fois que mon sac est remis à l'endroit, voici le résultat. Donc, j'ai encore un peu de fil qui se balade, mais je vais m'en occuper. Voilà, donc ça c'est la face avant. Et maintenant, nous allons nous occuper du haut du sac. On va venir poser un biais pour bien finir le haut. Et ensuite, on s'occupera des anses. Donc pour cette étape, je viens positionner les marges de couture l'une en face de l'autre. Et je vais pour l'instant placer mes marges. Et ensuite, je vais répartir l'ampleur du sac pour qu'elle se... Hop, tout corresponde bien avant de poser mon biais. Hop, voilà. Donc je place ici. Attention parce que les petites pinces peuvent faire des marques sur le simili. Donc là encore deux options. Soit je répartis tout le tour de sac et je viens faire une couture au point droit à 0,5 en haut et ensuite je place mon biais. Soit je place directement mon biais. Là je vais vous montrer plutôt la technique de la sécurité avec la couture à 0,5 en haut pour éviter que tout se promène dans mon sac. Je viens retirer le bras libre de ma machine à coudre et je vais venir insérer mon sac. Donc, là, peu importe où on commence parce que c'est vraiment une couture de maintien. Donc moi, je vais l'enfiler comme ça. Je vais commencer ici, mais c'est pas très important. Hop. La pédale, c'est mieux. Je n'ai pas fait de point retour, mais c'est pas grave. Hein. Attention à une marge de couture, qu'elle soit bien. Donc là, je vais couper tranquillement tous les petits fils de jacquard qui dépassent, mes fils de couture, tout ça, pour avoir quelque chose de net pour travailler. Donc voici le résultat quand on a fini de faire le tour. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme tout à l'heure pour le biais. On va venir ouvrir le biais. Hop, et moi, je vais le démarrer sur un des côtés. Donc déjà, le côté là, je vais le replier sur à peu près un centimètre, hein, c'est vraiment à peu près, et je vais me démarrer un petit peu après la marge de couture. Donc je vais le placer, et donc je vais placer mon biais ouvert tout le tour, sur tout le tour de mon sac, hop, avec des petites pinces. Donc, de la même manière que tout à l'heure, si jamais vous avez posé du biais,
on va venir en fait coudre dans le repli qui se trouve ici. Donc, je m'excuse, hein, au fur et à mesure, c'est un peu plus le bazar sur mon plan de travail, hein, parce que forcément quand on travaille, on en met partout. Et voilà, donc j'ai réparti du biais tout autour. Obtenir quelque chose de soigné. Donc là, je n'ai absolument pas calculé la taille de mon biais. Bien sûr, dans le plan de coupe, je vais vous l'indiquer. C'est pour ça qu'il est vraiment trop long. Et donc, je vais le faire se terminer. Donc, chevaucher hein, le début. Hop. Et je vais venir le couper. Voilà. Donc là, je suis prête. Je vais commencer ma couture et je vais coudre. Donc, du coup, dans tout le repli, sur tout le tour. Hop, on récupère la machine. Toujours avec le bras libre retiré. C'est pratique pour tourner. Maintenant, de la même manière que tout à l'heure, on va venir replier le biais, le redéployer et le replier de l'autre côté du sac en faisant tout le tour et en mettant des petites pinces. Donc du coup, là, comme on est sur une finition et qu'on voudrait quelque chose d'assez joli et régulier, il faut bien prendre votre temps pour bien répartir votre biais pour qu'il soit de manière régulière sur tout le tour du sac. Et ensuite, on va venir le piquer au point droit pour bien finir le haut. Voilà. Donc, je vous laisse répartir votre biais et piquer au point droit. Exactement comme tout à l'heure. Et après, on va venir s'occuper des anses du sac. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas là. Hop. Donc. On pourrait aussi choisir de mettre un biais coloré hein, sur le haut. Bon, c'est vrai que c'est quand même une prise de risque parce que si jamais il n'est pas bien droit, ça va beaucoup plus se voir que sur le noir comme là. Hop. Et donc ma partie elle a fini. Je viens faire ça. Passer par-dessus. Après c'est vrai qu'il y a d'autres manières de finir le biais. Moi je voulais quelque chose d'assez rapide et qui soit assez simple pour ce tuto là. Voilà, donc je renfile mon sac sur ma machine. Hop. Exactement comme tout à l'heure. Donc moi je vais commencer juste avant la partie, voilà, donc juste à la marge de couture ici. Et comme tout à l'heure, je viens piquer sur le biais pour traverser les deux épaisseurs et venir fixer aussi l'autre côté. Voilà. Le montage de mon sac est terminé. Il ne nous reste plus que les anses à installer. Maintenant, venir s'occuper des anses qu'on va positionner sur le haut du sac. Et pour ça, on va commencer par faire des trous pour placer le rivet. Donc, on va venir à une extrémité de la sangle et avec un mètre ruban, on va mesurer. Hop. Je vérifie. Ouais. On va mesurer 3,5 cm de l'extrémité à peu près. Je vais vous zoomer. Hop.
voir un petit peu mieux de quoi on parle. Donc on va mesurer ici 3,5 cm de l'extrémité et on va venir faire un petit point à peu près au centre pour se souvenir. Donc ça c'est un crayon d'argent. Voilà, donc je me suis servi quand j'ai fait mon dernier sac en cuir et je l'avais trouvé chez Déco Cuir, il est pas mal, mais vous pouvez utiliser aussi un stylo bic, hein, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va venir mesurer, donc dans l'alignement, hein, donc on est bien à 3,5 cm, on va venir faire un deuxième repère à 1 cm de l'extrémité ici. Voilà. Et après, à l'aide d'une pince à percer, je vais venir ici percer mes deux trous. Le premier. Voilà. Mettre à l'endroit pour moi, c'est plus facile. Et le second. Pourquoi on en fait deux? On en fait deux parce qu'on va replier l'extrémité de la sangle pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc là, j'ai mes deux trous qui sont faits. Et je vais pouvoir par la suite replier ma sangle en deux et venir passer le rivet au travers des deux morceaux. Donc moi, je vais riveter ici et je vais riveter un peu plus haut aussi, je pense. Donc on fait ça sur toutes les extrémités. Donc là, je le fais parce que j'avais déjà mis mes repères, mais bien sûr, il faut les tracer, hein. Permettre de positionner facilement ma sangle. Après, il y a aussi le système D, hein, on peut se servir de la première comme d'un gabarit, hop, et venir faire les points comme ça. On gagne forcément du temps. Hop. Et hop. Voilà, de l'autre côté, la même chose. Et voilà. Donc, une fois qu'on a terminé nos trous, on va sortir nos rivets, notre sac, et on va venir les placer nos sangles dessus. Maintenant, venir placer mes anses. Donc, on va placer la première. Donc, déjà, je vais venir regarder. Donc, je vais me placer par rapport aux marges de couture qui sont ici. D'accord? Là, et pas sur le côté du sac, mais de la marge de couture, ça va m'aider pour mesurer. Et je vais mesurer à peu près 7 cm de la marge de couture. Donc je retiens où c'est ici. Et je vais placer un petit repère à 4 cm du haut. Voilà. Donc là, je vérifie, j'ai bien 7 et 4 cm du haut. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. 7 cm, voilà, 4 cm du haut. Donc ça, c'est mes repères pour placer mon anse. Donc mon anse, comme on a vu tout à l'heure, j'ai fait deux trous. Donc je vais la plier en deux. Et en fait, c'est ici que je vais placer mon premier rivet. Mais bien sûr, ici, j'ai pas encore fait de trou. Donc c'est pour ça que j'ai fait un repère. En fait, je vais venir positionner mon anse pour que l'extérieur arrive au niveau du repère, comme ça. Voilà. Oula, mince. Et après, voilà. Ça veut dire que mes anses vont se placer comme ceci. Donc, une fois que là, mon anse est placée, je vais normalement, avec mon stylo, je devrais pouvoir traverser tout. Non, parce que j'étais pas en face. Hop. Bon, sinon, on la place comme ça, c'est pareil. Voilà, donc avec mon stylo, je vais venir marquer le centre. C'est là où je vais placer en fait mon premier rivet, ici. Et après, je vais venir riveter au-dessus. Mais ça, ce sera quand la lance sera placée. Donc, je vais venir, toujours avec ma pince, hop, je vais mettre à l'endroit pour moi. Je vais venir là, donc, mais bien en face. Je vais faire un trou au niveau où je veux placer mon rivet. Donc là, je suis dedans. Donc ça, c'est toujours mon petit repère, mais je peux l'effacer. Donc, je vais venir prendre mon rivet, donc une double calotte, hein. Je vais poser à la pince, donc je vais l'insérer une première fois. Vous voyez qu'il s'est... Hop! La tige va traverser. Et je vais venir traverser maintenant mon deuxième trou, qui est dans mon sac, et... On voit bien que le rivet sort de l'autre côté. Donc je vais placer
l'autre partie du rivet, hein, la partie qui est plate. Voilà, ici. Et donc là, je suis prête à poser mon rivet. Donc, je vais utiliser cette pince qu'on peut trouver chez la Mercerie des Créateurs ou chez DécoCuir. Hop, je vais poser mes matrices. Et en fait, cette pince me permet de poser des rivets double calotte. Si ça vous intéresse, j'avais déjà fait une vidéo ou un tuto de présentation. Il faudra que je le cherche. Je vous le mettrai en commentaire. Du coup, je vais venir ici placer la partie en dessous sur cette partie-là et l'autre partie là-haut. Donc, je fais attention à ce que mon anse soit droite. Hein. Et là, maintenant, je vais venir presser avec ma pince un maximum pour que mon rivet soit posé. Donc là, mon rivet est posé, il ne bouge plus. Hein. Donc ça, c'est bon. Je vais placer l'autre côté avant de placer mon autre rivet. Parce qu'en fait, ici, je vais lui placer un autre rivet pour pas qu'on voit ça, parce que je trouve ça pas très joli. Donc, je vais le placer juste à l'extrémité, ici. Et d'abord, je vais venir placer le second rivet. Donc, comme tout à l'heure, je marque le pli pour que ce soit bien en face. Voilà, je retiens où c'est. Hop, ça, c'est mon pli. À l'extrémité. Et je viens avec mon stylo. Hop. Faire une petite marque. Hop, le trou. Donc ça, hop, un petit peu de... Ça disparaît. Et je vais venir, comme tout à l'heure, faire un trou. Je replie ma sangle. Je passe mon rivet à travers du trou aussi. On vérifie qu'on est bien. Et une fois qu'on y est, c'est parti. Si vous n'avez pas ce genre de pince, je vous la recommande. C'est une pince que j'ai achetée quand je faisais les tests sur le livre de sac de Jeanne-Emily. Voilà, donc là, ma première anse est placée. C'est pas mal. Et là, j'ai juste, en fait... Pour que ce soit plus joli, je vais juste choisir à peu près où je vais placer mon rivet. Et faire un trou. Vous avez vu, j'ai pris un effet un petit peu bronze pour rappeler les petits pois du tissu. Je trouvais ça plus chic. Voilà. Donc là, soit je mesure, ce sera mieux d'ailleurs. Hein. Donc. Placer à peu près 2 du centre, juste en dessous le biais, à 2 de celui-là. On fait un petit repère. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec ma pince directement, hop, traverser toutes les épaisseurs. On vérifie qu'on lance bien droite. Voilà. Et on presse pour traverser tout. Tac. Donc ça, c'est bon. Je vais venir poser mon rivet. Hop. Donc exactement comme tout à l'heure. Et je vais le placer avec la pince. Ça me permet d'avoir un rendu plus joli et ça évite de voir cette partie-là qui n'est pas très très jolie. Donc du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop. Je fais mon trou. Et je passe de l'autre côté. Bon, je vais vous mettre le côté intérieur du sac, c'est peut-être plus simple pour voir. Voilà, donc je vais avoir deux rivets sur chaque anse. Avec
et je place avec la pince. Je suis intérieure. Hein. Voilà. Donc le premier côté est terminé. J'ai plus qu'à poser mon anse de l'autre côté du sac. En fait, en suivant les mêmes étapes. Mais ça